Bien, eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Petit problème de connexion au départ, mais tout va bien. On va pouvoir initier cette conférence ce soir intitulée Immunité, oxydation, espace, mobilité, compétition. Tout ça pour comprendre comment organiser la régénération et comment organiser la stabilité de l'os autour des implants. En implantologie, on parle souvent de titane, de biomatériaux, de prothèses, mais l'immunité est rarement évoquée. Et pourtant, l'infection est un facteur majeur d'échec dans les procédures implantaires. On utilise des biomatériaux, mais il faut savoir que leur intégration est d'abord fonction de la réaction immunitaire qu'ils vont induire. Allons un petit peu plus loin. Quand on utilise des biomatériaux, c'est pour créer un volume d'os nouveau. Au moment de la greffe, le greffon, n'est pas vascularisé, il est avasculaire. Et plus cette angiogénèse va prendre du retard, et plus l'oxydation du greffon va être intense. On va revenir tout à l'heure sur l'oxydation, et ce retard à la vascularisation va entraîner un retard à la formation de l'os nouveau. La conclusion, c'est qu'il faut essayer d'obtenir une angiogénèse rapide et c'est notre objectif principal. Cet article de Udagawa résume bien le principe, c'est-à-dire que quand on veut fabriquer de l'os, plus on aura de vaisseaux et plus l'os formé sera important. Et donc, c'est une règle absolument immuable. Il faut faire en sorte d'obtenir le plus rapidement des vaisseaux. Et si on veut obtenir rapidement ces vaisseaux, bah évidemment, il faut utiliser un biomatériau qui soit le plus compatible avec une porosité favorable. Pourquoi? Parce que dans les pores de ce biomatériau vont pénétrer les vaisseaux et il va falloir réduire la mobilité des granules et également leur espacement. C'est ce que nous allons aborder un petit peu plus tard. Il faut savoir que lorsqu'on introduit un corps étranger, on crée une réaction au corps étranger que l'on appelle communément en anglais le foreign body reaction. Cette réaction est organisée par les lymphocytes T. Ce sont les garants de l'immunité. Et à la surface de ces lymphocytes, il y a des antigènes que l'on appelle le système HLA, Human Leukocyte Antigen. En fait, cela permet aux lymphocytes de différencier les agents étrangers de nos propres cellules, que ce soit une grève, des bactéries, un virus. C'est comme ça que nous reconnaissons un corps étranger. Lorsque ce corps étranger a été introduit, il va induire une réaction immunitaire et vont intervenir ce qu'on appelle les cellules tueuses, c'est-à-dire les cellules géantes multinucléées. Ce sont elles qui vont faire le travail d'éliminer le corps étranger. Je vais juste vous donner un exemple de réaction à un corps étranger. On utilise fréquemment des substituts synthétiques et le problème de ces substituts synthétiques, c'est qu'ils sont considérés par l'organisme comme un corps étranger. Et comment va réagir l'organisme lorsqu'il ne peut pas éliminer ce corps étranger? Eh bien, il va tout simplement, comme on le voit ici, il va l'encapsuler. C'est-à-dire, il va le neutraliser en l'encapsulant. Vous voyez, on voit bien l'encapsulation du biomatériau. On voit bien l'encapsulation ici du biomatériau. Et c'est comme ça que notre organisme se défend. S'il ne peut pas éliminer un corps étranger, alors il l'encapsule. Vous avez compris que plus un matériau va être compatible et plus la réaction immunitaire va être faible. Et plus l'intégration est rapide. Car s'il n'y a pas de refus de l'organisme, alors le matériau s'intègre beaucoup plus rapidement. Le matériau le plus compatible, évidemment, c'est celui qui vient de l'homme. C'est le gold standard, c'est l'os humain. Mais il faut savoir que l'os humain allogénique a la même structure antigénique que l'os autogène. Et donc, il n'induit pas de réaction immunitaire. Et donc, quand on fait une histologie sur une greffe qui a utilisé de l'os allogénique,
il n'y a pas de cellules géantes, et c'est pour cela que l'os humain allogénique s'intègre rapidement, tout simplement parce qu'il n'est pas refusé par l'organisme. Mais si cet os s'intègre vite, il a un problème qui est constant, c'est que la stabilité du volume greffé, même s'il est rapide, la stabilité n'est pas parfaite. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise un os humain, on a systématiquement une perte de volume au moment de la réouverture et voire dans les mois et les années qui suivent. Ça, c'est l'inconvénient de l'os humain. Et donc, l'idée de beaucoup de praticiens, et c'est ce que nous recommandons depuis maintenant bientôt 15 ans avec Georges Couvy, c'est de rajouter à cet os humain un substitut peu résorbable. Alors, il y a la technique de Sausage, mais il suffit de mélanger un substitut humain avec une xénogreffe pour obtenir la stabilité du volume. Un exemple, vous voyez, regardez, une greffe avec une vis en piquet de tente, lorsqu'on utilise un os humain pur, même s'il est corticospongieux, est le même cas clinique, exactement, avec une vis, mais où on va mélanger une xénogreffe à l'allogreffe. Alors parlons un peu des xénogreffes. Il y en a plusieurs origines. Quelle est leur compatibilité avec l'homme? Quelle est leur porosité? Et quel est leur état de surface? Parce que vous allez voir que ça va avoir une incidence sur la réaction immunitaire. La xénogreffe bovine aujourd'hui est celle qui est la plus utilisée, mais ce n'est pas la plus compatible. En effet, dans la mesure où elle est moins compatible que l'os humain, elle va mettre beaucoup plus longtemps à s'intégrer, c'est-à-dire un minimum de 6 mois. Si on veut faire un diagramme relatant la compatibilité, eh bien on va voir que l'humain d'abord, le matériau le plus proche de l'humain, c'est le porcin, car il a une structure antigénique qui est très voisine de celle de l'homme. Il faut savoir aujourd'hui qu'en médecine, lorsqu'on ne peut pas utiliser un substitut humain, on utilise un substitut porcin. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il va être très rapidement intégré. C'est le cas, par exemple, des valves cardiaques qui sont toutes d'origine porcine. Et plus loin viennent les substituts bovins et équins. Voilà quelque chose que je voudrais signaler, c'est que souvent, dans la publicité des biomatériaux, les fabricants ont tendance à. Attendez, je vais masquer. Voilà, on va masquer les. Pardon. Les fabricants ont tendance à dire, mais regardez, nous avons une structure qui est voisine de l'homme. Mais ça, c'est un énorme mensonge, car quand on regarde un substitut, une pièce d'os comme celle-là, il faut comprendre que ce n'est pas ça qui est important, c'est que. En général, ces pièces d'os sont très grandes et la taille des grains que l'on utilise, puisque vous savez que les grains sont d'environ 0,5 mm, voilà la taille d'un grain que l'on utilise. Donc, vous voyez bien que ce qu'on vous montre, ce sont les trabécules osseux. Ça n'a strictement rien à voir avec les trabécules bovins ou autres. Donc, il faut se méfier de ce genre de photos qui vous font croire que c'est le même substitut. Alors, d'abord, il faut comprendre que la porosité d'un biomatériau a une influence importante. En effet, il y a la macroporosité qui est de l'ordre de 7 à 50 microns et on appelle cette porosité la porosité vasculaire. Pour quelle raison? Ben, tout simplement parce que dans ces canaux vont pouvoir s'infiltrer des vaisseaux puisque à l'origine, il y avait des vaisseaux. Vous voyez, ça c'est un canal de Volkmann dans lequel il y avait au départ une petite artérie, une petite vénule. Ben, les vaisseaux vont pouvoir s'infiltrer dans ces canaux pour aller contaminer tout le substitut. Il y a ensuite la microporosité qui est de l'ordre de 1 micron. Ce sont ces petits canaux, petits canalicules, qui relient les cavités ostéocytaires. Et enfin, il y a la nanoporosité qui est de l'ordre de 1 centième de micron et qui sont les espaces entre les fibres de collagène. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la macroporosité. En effet, si on analyse la macroporosité de l'humain, du porcin
et du bovin, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que les courbes entre le porcin et l'humain sont extrêmement voisines et la taille des pores est également très voisine entre l'homme et le porc, alors que la taille moyenne est de l'ordre de 8 microns dans le bovin. Mais il y a une autre information intéressante, c'est que si on analyse le volume quantitatif de ces pores, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout simplement que la quantité de pores, le volume total de pores est 10 fois moins important dans l'os bovin. Et vous avez compris pourquoi l'os bovin se vascularise beaucoup moins vite que l'os humain. Ben, tout simplement parce que la porosité est nettement, nettement plus basse. Et donc, quand on va mettre une xénogreffe, on utilise aujourd'hui des xénogreffes frittées, c'est-à-dire que c'est le chauffage qui va rendre ce substitut lentement ou peu résorbable. Si la xénogreffe n'est pas frittée, alors elle va se comporter dans le temps comme une greffe d'origine humaine, c'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à perdre du volume. Il est intéressant de parler d'état de surface. Pourquoi? Parce que quand on fait des augmentations très importantes, on voit que l'état de surface de certains biomatériaux sont extrêmement contaminés. Il y a énormément de débris. Et vous avez compris que plus le biomatériau est chargé de débris, et plus l'inflammation va être importante, et plus le travail de rejet de l'organisme, et notamment des lymphocytes, va être important. Donc, il est important de constater que nous devons aussi nous intéresser à l'état de surface des biomatériaux. La conclusion, c'est que l'os humain, c'est le gold standard, et parfois, on n'a pas la possibilité d'utiliser de l'os humain pour des raisons diverses. Ben, si on ne peut pas utiliser de l'os humain, alors l'os porcin devient une bonne alternative pour réaliser ces augmentations osseuses, car il a une structure antigénique voisine, il a une porosité voisine de l'homme, la stabilité est meilleure lorsque la xénogreffe est frittée, et enfin, vous avez compris que tout ça fait que la vascularisation de l'os porcin se fait aussi rapidement que dans l'os humain, et du coup, l'intégration est très rapide. Juste quelques exemples pour vous montrer la réaction inflammatoire et immunitaire à un biomatériau. Voici un biomatériau d'origine porcine qui va être utilisé pour combler une alvéole et l'alvéole n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée tout simplement parce que c'est une technique qu'utilisent beaucoup de praticiens et on va mettre tout simplement du PRF pour fermer l'alvéole. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout simplement que très rapidement, la gencive va venir fermer l'alvéole. Ça, c'est le signe de l'acceptation du receveur. C'est-à-dire que quand vous laissez un biomatériau comme ça exposé, il ne va pas s'infecter, mais il va être immédiatement recouvert par la gencive. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas sur la notion d'acceptation d'un biomatériau. Vous voyez, par exemple, un autre cas très simple, deux implants avec un comblement. Ce qui est intéressant, c'est que même quand c'est une xénogreffe, on peut voir au bout de 2 mois et demi seulement que le matériau a été totalement intégré et qu'il n'y a pas de granules. Car c'est ça le signe de l'intégration rapide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de granules encore présents dans la greffe à 2 mois et demi seulement. C'est pour ça que je vous disais que c'est ça l'intégration rapide. Un autre exemple, et je pense le dernier, un cas simple d'implant avec recouvrement d'un biomatériau, en l'occurrence ici le Purgo, d'origine porcine, et on va réaliser la même chose, c'est-à-dire laisser ouvert, laisser fermer la gencive, mais la patiente va se présenter par erreur au bout de 6 semaines. En fait, elle s'est trompée de rendez-vous, et comme elle habite très loin, le chirurgien décide d'ouvrir. Et que se passe-t-il lorsqu'on ouvre à 6 semaines seulement, 1 mois et demi? On voit que l'intégration est déjà faite. Donc vous avez compris que lorsque les phénomènes immunitaires ne sont pas importants, l'intégration se passe très rapidement. Alors, quand on fait des augmentations ou quand on met des implants, parfois, certains patients rencontrent une stabilité précaire. Alors, que ce soit dans un os greffé ou que ce soit dans l'os natif. Si on regarde la littérature, on a aujourd'hui l'évidence qu'il ne s'agit pas
d'infection. Ce n'est pas l'infection qui crée la perte d'os marginale. D'autres auteurs, comme Emerlet Arnaud, vont aussi dire que les pertes osseuses ou les pertes muqueuses peuvent résulter de facteurs multiples. En fait, Albrechtson et Arnaud arrivent à la même conclusion. Il y a sûrement des facteurs combinés, mais ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur les mécanismes intimes de cette résorption. Cela veut dire tout simplement que la littérature a ses limites. On ne peut pas tout trouver dans la littérature. Mais on peut s'aider par un retour aux sciences fondamentales pour arriver à comprendre et à expliquer ce qui se passe. L'anatomie, on connaît l'anatomie des os de la face, corticale et trabéculaire. La vascularisation de l'os cortical se fait par le périoste ou par la moelle osseuse. Et cette vascularisation arrive toujours par les tissus qui alimentent le périoste, qui lui-même alimente l'os cortical, qui lui a deux origines, comme je vous le disais précédemment, par le périoste ou par la moelle osseuse. Si on parle de vascularisation, on doit se poser la question comment un tissu devient ischémique. Cette réponse nous a été apportée déjà il y a maintenant plus de 10 ans par Mamoto dans cet excellent article paru dans Nature. Et pour reprendre l'article de Mamoto en quelques mots simples, on va tout simplement résumer. Si un tissu est soumis à une pression excessive ou à une tension excessive, alors ce tissu va perdre sa vascularisation. Voilà le message de Mamoto, c'est tout simplement comme cela qu'un tissu devient ischémique. Et vous allez comprendre très simplement la visualisation de ce qui se passe quand on est alité, les escarres. Pourquoi un patient développe des escarres à la suite d'un alitement? Ben, tout simplement parce qu'il est allongé et qu'il ne bouge plus et qu'il exerce une pression sur la peau en dessous qui est permanente. Et vous avez compris qu'exercer une pression permanente entraîne une ischémie de la peau et donc une nécrose de la peau. Et c'est pour cela que vous comprenez pourquoi tous les individus tournent pendant le sommeil. On tourne tous pendant le sommeil. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, la pression est importante et automatiquement, on va prendre une autre position qui va nous permettre de relâcher cette pression sur la peau. Alors, lorsqu'on applique une tension permanente ou une pression permanente sur l'os, on induit donc une hypoxie. Ça, c'est le principe de Mamoto. Cette hypoxie va créer un stress, qu'il soit muqueux ou qu'il soit osseux, selon le tissu. Mais en biologie, lorsqu'on parle de stress, le stress est dit oxydatif. Ça veut dire tout simplement que dans ce tissu, il y a une accumulation importante d'oxydants. Tout le monde a entendu parler des oxydants et des antioxydants. On sait tout ce que c'est. Nous sommes une espèce aérobie. Et donc, au contact de l'oxygène, on produit en continu des oxydants. Mais la biologie cellulaire permet de produire immédiatement et en continu des antioxydants pour neutraliser ces oxydants. Voilà la biologie et voilà pourquoi, comment on fonctionne, parce que nous sommes toujours au contact de l'oxygène. Et c'est l'oxygène qui induit une oxydation, comme il induit une oxydation sur le métal, sur le fer, quand il est au contact du fer. C'est la rouille. Alors, vous avez compris que, en théorie, il y a un équilibre entre les oxydants et les antioxydants. Ça, c'est le principe. Mais parfois, on va avoir une production excessive d'oxydants. Dans des situations comme le diabète, l'obésité, le cancer, une inflammation chronique ou une hypoxie chronique. Ou alors, on peut avoir une situation où on ne produit pas assez d'oxydants. Exemple, le diabète et le tabagisme. Et quand on a une rupture de cette balance, eh bien on tombe dans une situation de stress oxydatif. Et lorsqu'on est en stress oxydatif, eh bien, l'ADN et les membranes cellulaires vont être endommagées. Et donc, inévitablement, il va y avoir du dégât au niveau des cellules et des tissus.
La physiologie cellulaire est compromise quand on est en stress oxydatif, c'est-à-dire qu'il est impossible de cicatriser normalement. L'immunité va se retrouver compromise. Pourquoi? Parce que les lymphocytes vont devenir défaillants. Et donc, on va avoir des infections plus fréquentes. Et voilà pourquoi, lorsqu'on est en stress oxydatif, on va avoir un taux élevé d'échecs et de complications. Mais pour bien comprendre ce phénomène, on va prendre des patients dont on sait qu'ils développent des taux élevés d'échecs ou de complications, les diabétiques et les fumeurs. Alors, ces patients-là présentent des taux élevés parce qu'ils sont en stress oxydatif chronique. Et voilà pourquoi ils ont un taux élevé d'échecs et de complications. Prenons les diabétiques. L'hyperglycémie induit un stress oxydatif. Ça, c'est une évidence aujourd'hui. Mais on sait également depuis très peu que le diabète est une maladie inflammatoire chronique. Et donc, vous avez compris que inflammation chronique veut dire oxydation. L'hyperglycémie induit un stress oxydatif par l'intermédiaire de la transformation de l'albumine en albumine glyquée, comme pour l'hémoglobine. Et donc, ces patients, en ayant un taux élevé d'oxydants, vont avoir des difficultés de cicatrisation. On connaît les fumeurs et leurs problèmes de cicatrisation. Pour quelles raisons ces patients cicatrisent? Aujourd'hui, on est parfaitement capable d'expliquer de manière très précise pourquoi ces patients cicatrisent mal. En fait, au contact des tissus, la fumée détruit les antioxydants. Quels sont ces tissus? C'est l'os, la gencive, la peau, le poumon. Vous comprenez pourquoi les fumeurs ont un risque accru de cancer du poumon, parce que leurs poumons sont en oxydation chronique. Et voilà pourquoi ces patients fumeurs ont des difficultés de cicatrisation, parce qu'ils se retrouvent avec un excès d'oxydants dans les tissus, et notamment dans notre domaine, l'os et la gencive. Prenons un peu la physiologie de l'os. On sait que c'est le remodelage, c'est-à-dire que l'os se forme et se résorbe en fonction des contraintes mécaniques. C'est la loi de Wolff. Et donc, lorsqu'on applique une contrainte normale, l'os se maintient. Si on applique une contrainte intense, alors l'os peut croître un petit peu. Par contre, lorsque la contrainte est faible, comme par exemple après une extraction, ou alors lorsque la contrainte est en excès, par exemple dans des troubles de l'occlusion, il y en a d'autres, que se passe-t-il dans ces deux période, tout simplement, on va rencontrer un stress oxydatif osseux. Et c'est pour cela que l'os se résorbe. C'est parce qu'il est en stress oxydatif. Il faut bien comprendre que la résorption de l'os est due à l'oxydation du tissu osseux. En effet, ces oxydants ont un effet dévastateur sur l'os. On a d'abord l'inhibition de la fonction ostéoblastique. C'est l'élément critique de la physiopathologie de la résorption osseuse, c'est l'inhibition de la fonction des ostéoclastes. Et ensuite, on a une ostéoclastogénèse extrêmement accélérée parce que les ostéoclastes vont se développer et vont devenir extrêmement actifs. Et donc, si je veux me résumer, la résorption osseuse, tout simplement, ne se déroule pas comme lorsqu'on expose une crème glacée au soleil. La résorption osseuse est due tout simplement à une pression de l'os sur l'os ou à une tension des tissus. Et ce stress va entraîner donc un arrêt ou un ralentissement du remodelage osseux. Et si un os ne se renouvelle pas, vous avez compris qu'il disparaît. Voilà comment l'os se résorbe, parce qu'il est en oxydation. Et c'est aujourd'hui le seul mécanisme précis qui explique la résorption osseuse. Alors, essayons de voir comment aujourd'hui on peut reconnaître une situation d'oxydation. Vous savez qu'il existe deux facteurs sanguins, deux facteurs au niveau du sang, ce sont le cholestérol et la vitamine D. J'ai publié ce papier déjà il y a plus de 8 ans avec de nombreux amis, et notre but était d'informer les praticiens du risque d'un cholestérol élevé ou d'une vitamine D basse. On connaît le cholestérol. On sait qu'il y a deux types de cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Alors pourquoi le HDL est un bon cholestérol?
Le HDL est un bon cholestérol parce que c'est un antioxydant. Et le LDL est un mauvais cholestérol parce que c'est un oxydant. Et que ce LDL va oxyder les ostéoblastes. Et voilà pourquoi, quand on a un taux de cholestérol élevé, le remodelage osseux se passe mal. La vitamine D, c'est intéressant de comprendre comment est son activité biologique. La vitamine D est d'abord une hormone, c'est-à-dire qu'elle a une activité endocrine et le rôle, c'est le métabolisme du calcium. Mais c'est aussi un neuromédiateur, c'est-à-dire que par cette activité que l'on appelle aujourd'hui autocrine et paracrine, la vitamine D va avoir un rôle clé dans la cicatrisation et la production d'antioxydants. Et c'est pour ça que la vitamine D intervient dans plusieurs domaines, l'os, la cicatrisation, la réduction de l'inflammation et l'immunité, qui est si importante pour ne pas avoir d'infection. On connaît les patients qui sont systématiquement déficients. Ce sont les patients âgés, les patients qui ont une peau foncée, les obèses. Mais il y a deux patients, j'en ai déjà parlé, ce sont les fumeurs et les diabétiques. Ces deux catégories de patients ont ce qu'on pourrait appeler une double peine. Ils sont en stress oxydatif, mais en plus, ils sont déficients en vitamine D. Et donc, ce n'est pas une surprise lorsqu'on perd de l'os de voir que le patient n'a pas une biologie qui lui permet de remodeler son os en permanence. Et s'il ne le remodèle pas, eh bien, il va le perdre. La supplémentation aujourd'hui, les recommandations officielles sont de 400 à 600 unités jour. Ça permet de prévenir la plupart des anomalies du squelette, mais, un grand mais, c'est insuffisant pour stimuler les voies métaboliques paracrine et autocrine. Si on veut développer, si on veut stimuler ces voies métaboliques, alors il faut une posologie qui est de 10 à 20 fois plus élevée, 5 à 10 000 unités jour. Il faut savoir que 10 000 unités jour, c'est normal en physiologie humaine. Juste pour vous donner un exemple, si vous allez à la plage ou à la piscine, vous mettre au soleil, ben sachez que vous allez produire facilement 20 000 unités dans la journée. Donc, pour vous dire que 10 000 unités, c'est une dose qui est tout à fait acceptable et qui n'entraîne jamais de surdosage ou de toxicité. Ben, ça veut dire tout simplement que si on veut aller en chirurgie et avoir une immunité correcte, les 30 nanogrammes qui sont considérés comme le taux normal sont insuffisants. Il faut beaucoup plus de vitamine D pour aborder une chirurgie avec une immunité de très bonne qualité, c'est-à-dire 50 à 70 nanogrammes par millilitre. Récemment, la Société américaine d'endocrinologie nous a rejoints et a publié la référence actuelle qui serait de 40 à 60 nanogrammes par millilitre. Mais attention, c'est le taux pour un patient en situation normale, pas pour un patient qui va être opéré de quelque type de chirurgie que ce soit. Alors, je voudrais faire un parallèle avec le Covid. On y est en plein. On sait que les patients qui font des complications sont les sujets âgés, les obèses, les diabétiques, les fumeurs, les hypertendus, les patients qui ont des pathologies auto-immunes, les cancers. Aux États-Unis, plus de la moitié des décès sont des Afro-Américains, c'est-à-dire des patients avec la peau foncée. Mais on va dire que tous ces patients ont un dénominateur commun. Ils sont tous en stress oxydatif et ils sont tous déficients en vitamine D. Et voilà pourquoi ces patients ayant une immunité déficiente vont faire des complications. Ce n'est qu'un problème d'immunité, les complications du Covid ou de la Covid. Et donc, voilà pourquoi depuis maintenant janvier 2020, janvier 2020, je conseille à tous mes amis, s'ils veulent éviter d'avoir des complications, de prendre 10 000 unités jour. Et pour les enfants en dessous de 12 ans, au-delà de 12 ans, on considère que ce sont des adultes, en dessous de 12 ans, c'est 2 000 unités jour. Voilà la posologie pour éviter les complications. Mais on n'a pas fini.
car il y a aussi le problème de la contamination. Vous savez, quand on fait une chirurgie orale, elle est toujours contaminée, et si elle est contaminée, ça induit une inflammation, et l'inflammation, comme je vous l'ai dit, induit une oxydation. Les échecs implantaires aujourd'hui, selon cette étude qui a été faite par la Fédération européenne de parodontologie, montrent que lorsqu'on ne donne pas d'antibiotiques, il y a 3 fois plus d'échecs. Évidemment, si on ne donne pas d'antibiotiques, la contamination est plus importante et donc l'oxydation est plus importante. Et le meilleur protocole, si on veut suivre cet article, c'est la dose unique de 3 grammes d'amoxicilline 1 heure avant la chirurgie. Mais quand on donne l'amoxicilline, parfois les patients sont allergiques à la pénicilline. En effet, il y a un risque accru d'infection du site opératoire. Tous ceux qui font de l'implantologie savent qu'un patient allergique à la pénicilline va faire plus de complications. Les articles qui sont sur l'implantologie montrent qu'il y a des échecs très élevés, 3 fois plus, 4 fois plus. Et si par hasard c'est un implant immédiat, on arrive à des échecs 10 fois plus fréquents que la normale. Alors, peut-on expliquer pourquoi ces patients spécifiquement vont développer des complications? Ben aujourd'hui, on peut répondre. D'abord, le rôle des lymphocytes T est certain. Ça, c'est la conclusion de la conférence de consensus sur les allergies aux médicaments. En fait, ces patients sont en déficit immunitaire. Et vous avez compris pourquoi ils font une infection plus fréquemment. Deuxièmement, les patients allergiques ont en général un taux de vitamine D qui est insuffisant. C'est-à-dire que l'allergie est favorisée par un déficit en vitamine D. Ça veut dire que ces patients sont en stress oxydatif. Et en plus, quand on va leur donner un autre antibiotique, on sait qu'ils sont moins efficaces. La spiramycine, la pristinamycine, qui est la piostacine. Aujourd'hui, je peux renouveler mon conseil que je donne depuis de nombreuses années, c'est que quand on a un patient allergique à l'amoxicilline, c'est l'azithromycine qu'il faut donner. Ça fait des années que je le recommande, mais avec la COVID, j'ai compris en fait que l'azithromycine est plus efficace parce qu'elle a un effet sur l'immunité. Et c'est pour ça que c'est l'antibiotique de référence chez les patients qui ont été contaminés au coronavirus. Évidemment, ces patients allergiques à la pénicilline vont être traités de cette manière, c'est-à-dire traités avec de l'azithromycine et supplémentés avec de la vitamine D à forte dose afin d'améliorer le statut immunologique et réduire le stress oxydatif. Parlons maintenant de stress muqueux. Le stress muqueux est généré par une tension non raisonnable. En fait, quand on élève un lambeau, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce lambeau va devenir mobile. Et quand il devient mobile, l'apport sanguin est interrompu. Et si on veut rétablir la vascularisation de l'os, parce que c'est le problème de l'os qui se pose, de la vascularisation, comment rétablir la vascularisation? Ben, lorsque le périostéum se réattache. La question se pose alors, mais quand est-ce qu'il se rattache? Quel est le délai? Le délai est très long. En fait, si on regarde ces deux études, on se rend compte que 70% du périostéum est réattaché à seulement un mois. Et il faut attendre 6 semaines pour obtenir un réattachement significatif. Ça veut dire que pendant 6 semaines, cette attache du lambeau au périostéum est fragile. Et si on veut évaluer la tension, ben tout simplement, il ne faut pas oublier d'abord que la tension est masquée par l'anesthésie locale. Et la méthode la plus simple pour évaluer la tension, c'est tout simplement de tirer sur la lèvre. Et si vous tirez sur la lèvre, vous allez voir un lambeau mobile. Voilà la meilleure preuve de la tension post-opératoire. En effet, si vous tirez sur la lèvre, vous voyez bien que le lambeau est mobile. Il faut donc libérer ces lambeaux. Mais si on veut libérer les lambeaux, souvent on libère les lambeaux pour fermer la plaie. Mais il faut comprendre que cette libération est rarement suffisante. En effet, on s'est rendu compte que
libérer le lambeau juste pour fermer ne suffit pas. Il faut avoir en tête un concept différent, mais qui, vous verrez, va vous aider de manière très importante. En effet, quand on fait une augmentation, on doit avoir, à la fin de la chirurgie, on doit avoir plus de tissu que nécessaire. Et c'est ce qu'on a appelé le over-release. En effet, ce over-release va nous permettre de réduire drastiquement la tension quand on va suturer le lambeau. Voilà un exemple de suture que je recommande depuis longtemps, c'est de faire des sutures profondes. Ce ne sont pas des sutures périostées, hein. Ce sont des sutures en matelassier profond, pour ça que je l'ai appelé apical, mais qui permettent vraiment d'immobiliser le lambeau et de ne pas avoir de tension sur les berges. Voilà un exemple, vous voyez, regardez, on a mis des sutures classiques et on voit bien que le lambeau est mobile. Par contre, lorsqu'on a mis un matelassier apical, alors le lambeau devient complètement fixe. Et c'est ça qui va permettre d'obtenir une cicatrisation rapide et surtout une réduction drastique de la tension. Mais on a vu au travers des publications de Boutros que ce périoste met longtemps à se réattacher. Ça veut dire que si on veut être vraiment efficace, il faut laisser les sutures très longtemps, c'est-à-dire les 4 semaines minimales. Pour ça, vous utilisez un monofil non résorbable, comme le nylon ou petit à feu, mais le nylon ou petit à feu ne pourrait pas laisser 4 semaines parce que au bout de 4 semaines, il va se retrouver inclus dans la gencive. La solution, c'est d'utiliser un monofil résorbable. Et lui, il a la spécificité, c'est qu'il se résorbe en 4 semaines. Donc, c'est un fil qu'on va utiliser, qu'on ne va pas enlever et qui va simplement disparaître au moment où on n'a plus besoin de lui. Oui, regardez, c'est intéressant de voir, on n'a pas géré la tension, mais tout de suite, on va voir que l'os va commencer à se résorber. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vestibule. Et quand il n'y a pas de vestibule, ça veut dire que la tension est permanente et ça veut dire que l'oxydation du lambeau est permanente et ça veut dire que l'alimentation vasculaire de l'os sous-jacent est déficiente. Parlons du stress osseux. Il y a deux types de stress osseux aujourd'hui. Il y a le lambeau. Le lambeau comprime toujours la greffe. Et donc, il faut protéger cette greffe contre la pression du lambeau. La technique de Cowie permet, par la mise en place de lamelles osseuses, de protéger la greffe particulée de la pression du lambeau. La grille titane fait la même chose. La membrane PTFE renforcée fait la même chose, c'est-à-dire que justement, elle est renforcée, elle crée un frein à la pression du lambeau. On peut mettre des vis, on peut mettre des plaques titane. C'est le principe de ce que j'ai appelé la régénération osseuse protégée. Protégée de quoi? Protégée de qui? Protégée de la pression de la gencive. Et voilà un exemple de deux chirurgies qui sont sur le même type de cas. Augmentation sinusienne avec augmentation verticale entre les deux dents. On peut mettre des lamelles osseuses autogènes, c'est la technique de Cowie. On peut mettre tout simplement une armature titane pour créer un volume protégé de la pression du lambeau. Et le résultat, c'est tout simplement, le résultat est le même. Donc, ce n'est pas l'origine du biomatériau qui va vous donner le résultat. C'est la suppression de la pression du lambeau qui va vous garantir le succès et de retrouver un volume osseux qui va vous permettre de faire une réhabilitation implantaire adéquate. Mais il y a aussi l'implant. L'implant est compressif. Et donc, il peut exercer une pression non résorbable sur l'os. Analysons l'activité physique naturelle. C'est-à-dire que lorsqu'on voit les gens marcher, courir, on peut conclure que cette activité est cyclique. Et si elle est cyclique, ça veut dire qu'elle est physiologique, car on ne peut pas appliquer une pression permanente. Par contre, lorsqu'on met un implant, il applique une pression permanente. Alors la question est, est-ce que cette pose d'implant est contradictoire avec la physiologie? Et pour cela, on va analyser
tous les types d'os, spongieux ou cortical, natifs ou greffés. La stabilité de l'implant est vraiment un problème. Aujourd'hui, beaucoup de praticiens sont, je dirais, très attirés par cette notion de stabilité ou d'hyperstabilité. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on voit des périoplasties de plus en plus souvent. On va essayer de comprendre. En effet, comment l'os réagit à la pression de l'implant? Ben, il existe une loi qui a plus de 3 siècles. Cette loi dit qu'un matériau réagit à la pression en fonction de sa densité. En effet, prenons une éponge, c'est un matériau flexible, il n'y a pas de stress, il faut l'écraser. À l'inverse, si votre matériau est dur, si vous le mettez en tension, ben il va se rompre. OK? Et donc, quand on met un implant, où se situe le problème? Il se situe au niveau de crestin. À ce niveau, c'est là où est la pression maximale de l'implant. Et cet os cortical n'est pas du tout déformable. Il est peu vascularisé et il ne supporte pas la pression. Et donc, lorsqu'on met un implant, la pression sur la corticale risque d'être néfaste. Lorsqu'on pose un implant dans l'os natif, cet os est flexible et donc, vous voyez, on voit bien les trabécules qui se déforment. Donc, il n'y a pas de stress. À l'inverse, l'os cortical, lorsqu'on met un implant, le stress est important parce qu'il n'y a pas de déformation. Et pour vous donner un exemple et pour comprendre, imaginons que je mette autour de votre tête un clamp serré à 35 newtons. Je suis sûr que vous ne supporterez pas plus de quelques minutes. C'est pour vous faire comprendre que cette pression de 35 newtons est importante et qu'elle va, en fonction de la nature de l'os, être délétère ou pas. Et quand on met un implant dans une crête, c'est l'os cortical qui va être en stress. Et voilà pourquoi il va se résorber. C'est toujours l'os cortical qui se résorbe. Lorsqu'un implant est vestibulé, pourquoi est-ce qu'il y a une résorption? Parce que l'implant comprime la corticale. Lorsque on met un implant dans une crête avec une corticale épaisse, ben on va voir tout simplement ce que vous avez déjà rencontré, c'est une cratérisation. La cratérisation, elle est due à la pression de l'implant sur la corticale. Mais là, il n'y a que de la corticale. Voilà un exemple visuel. Un implant avec de l'os spongieux autour, ben là, il n'y a aucun problème. On peut torquer à 35, même à 50 si on veut. Par contre, là, il y a surtout de la corticale. Et vous avez compris que mettre un implant là, ça va créer des problèmes à 35 newtons. Et ça va créer une résorption inévitable. Et donc, regardez, on peut voir une panoramique avec quatre implants qui ont des problèmes. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est toujours l'os cortical qui se résorbe. Car c'est toujours l'os cortical qui rentre en oxydation lorsqu'on le met en compression. Ce n'est pas un problème de titane, c'est un problème de biologie. La résorption va commencer, mais après, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Car après, l'infection va venir compliquer l'évolution. Ça veut dire tout simplement qu'il faut préserver cet os cortical. Et comment on va le préserver? En faisant, par exemple, un surforage crestal. Ce qui fait que quand on va poser l'implant, au niveau cortical, il n'y a pas de pression. Le torque est de zéro. Voilà un exemple, voilà un deuxième exemple de ce que j'appelle la pose d'un implant physiologique. C'est-à-dire qu'il ne comprime pas la corticale. 2 mm de profondeur, on n'a pas besoin de plus. Mais à cet endroit, il n'y aura pas de pression. Et donc, à cet endroit, il n'y aura pas de stress. Aujourd'hui, on a des implants modernes qui tous préservent la corticale. L'Elérige, le V3 de Chemise ou l'Inverta de Southern Implant. Mais on peut aussi mettre tout simplement l'implant sous crestal. Et comme ça, on ne traumatise pas l'os cortical. Et c'est pour ça que vous avez remarqué que lorsque vous mettez un implant sous crestal, il y a moins de résorption marginale. Voilà un exemple d'implant posé il y a 10 ans. Il est dans l'os spongé. Et donc, 10 ans plus tard, rien n'a bougé. L'os est toujours au-dessus de l'implant
Et voilà pourquoi cet implant va durer longtemps, va durer toute la vie, parce que il est dans un os qui peut accepter des contraintes mécaniques élevées. À l'inverse, si vous mettez un implant dans une crête très corticalisée, où l'implant se retrouve au contact de la corticale, ben voilà ce qui va se passer. Tout va disparaître. Si on analyse les greffes osseuses, dans la majorité des cas, la perte osseuse se passe après la pose des implants. On met des implants et l'os se résorbe. On met des implants, même si la greffe est parfaite, et l'os se résorbe. On met des implants dans un sinus et l'os se résorbe. On met des implants dans une greffe pariétale et l'os se résorbe. Cette greffe a été faite par Jean-François Tulane. Donc, on peut penser qu'elle a été réalisée de main de maître, mais malgré ça, l'os s'est résorbé. Alors, essayons d'analyser de manière biologique. Lorsqu'on fait un sinus, c'est que on utilise une lamelle osseuse en mettant uniquement un caillot sans bien, juste le caillot. L'histologie va montrer qu'il s'agit d'un os 100% trabéculaire. Si on met du PRF, le PRF c'est un caillot sanguin, dans le sinus, l'histologie va montrer que c'est un os 100% trabéculaire. Et si on met du PRF dans une alvéole, là encore, on va se retrouver avec un os 100% trabéculaire. C'est-à-dire que mettre un caillot sanguin, c'est une voie intéressante. À l'inverse, si on utilise un biomatériau, comment cet os se forme? Il se forme à la surface du biomatériau. Mais l'ostéointégration veut dire adhésion intime, comme un implant. Un implant ostéointégré, vous ne pouvez pas le dévisser. Mais c'est pareil entre le granule et l'os qui a poussé sur le granule. Et donc, si on compare les différents biomatériaux, qu'ils soient équins, synthétiques, calcium triphosphate, bovin, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours le même phénomène, c'est-à-dire que l'os est adhérent au granule. Très bien. Quand on fait une analyse de l'os humain, autogène, on voit la même chose. L'os nouveau pousse à la surface du granule cortical. Pour l'allogène, c'est pareil. On voit bien que l'os nouveau est très adhérent au granule. Si vous utilisez de la dentine, c'est à la mode. Ben vous voyez que l'os nouveau est totalement adhérent à la dentine. Ça veut dire tout simplement que quand on fait une biopsie, l'os est toujours trabéculaire. Mais selon qu'on utilise un caillot ou un biomat, les structures ne sont pas les mêmes. En effet, si on n'utilise que du sang ou du PRF, c'est un os trabéculaire, mais il n'y a que de l'os vital. Si on utilise des biomates, alors on a effectivement un os trabéculaire, sauf que les granules sont adhérents au trabécule. Voyez, on voit les granules adhérents au trabécule. Et ça veut dire que mécaniquement, cela va avoir une incidence. Analysons une plaque de plastique. On peut la tordre. Si on en colle deux, on ne peut plus les tordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on colle les éléments, on gagne en rigidité. C'est la même chose pour l'os. C'est la même chose pour l'os. Quand on a un caillot, ben on va avoir une structure spongieuse, donc par définition plastique. Et si on met des biomatériaux, on va avoir une structure spongieuse, mais cet os n'a pas de plasticité. C'est un os compact. Et cet os compact va se comporter alors comme un os cortical. Ça veut dire que s'il est soumis à un torque élevé, alors il va rentrer en stress oxydatif. Je connais le plaisir des chirurgiens, c'est de faire une greffe et de rencontrer un os très dense, car pour eux, la densité de l'os, c'est la preuve de la qualité. Et souvent, ils sont tentés de mettre un implant avec un torque élevé. Il va falloir oublier définitivement ce type de comportement, car dès qu'on va mettre cet os en compression, cela va lui être fatal. Il faut comprendre que quand vous faites une greffe osseuse, la pose de l'implant doit être extrêmement douce. L'os disparaît quand il est maltraité, comme l'os cortical. Et quand vous mettez un implant dans un os greffé, dense évidemment, il faut le faire avec un torque réduit. Il faut oublier la mise en charge immédiate. Souvent, on est tenté de faire une mise en charge immédiate. Mais il faut oublier.
ce n'est pas logique, car c'est ça qui va entraîner la résorption. Et ensuite, on n'oublie pas de surforer la zone cristale. Pourquoi? Parce que comme la greffe se comporte comme une corticale, alors on va aussi protéger la zone cristale de la greffe. Ce qui veut dire que lorsque on fait une greffe, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir un os extrêmement dense. Il vaut mieux réintervenir plus tôt et d'avoir un os moyennement dense dans lequel l'implant va être peu compressif. Voyez une réunion très tardive de mon ami Joseph Kahn. Il a attendu un an. Il a mis les implants. Évidemment, c'était d'une dureté extrême. Résultat, la greffe a disparu. On peut utiliser des BMP qui donnent des résultats intéressants, mais avec un os greffé extrêmement dense. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'os ne va pas tenir parce que l'os est trop dur. Et plus il est dur, et plus il est traumatisé par l'implant. Il me reste juste quelques minutes pour vous parler de PRF et de stress oxydatif. Le PRF stimule l'angiogenèse. Le PRF a un effet anti-inflammatoire et le PRF inhibe l'ostéoclastogenèse. Et voilà pourquoi le PRF réduit l'oxydation et donc on peut dire que le PRF est un puissant antioxydant. Et c'est pour cela que la cicatrisation est améliorée par le PRF, parce qu'il réduit l'oxydation locale. Aujourd'hui, nous sommes en novembre et depuis octobre, nous avons lancé un nouveau concept qui est le Pump Pack et qui permet d'améliorer encore plus l'effet antioxydant du PRF. Mais parlons de l'oxydation du greffon. Elle est due en partie à la mobilité des granules, qui va retarder l'angiogénèse. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est qu'il faut, si on veut supprimer la mobilité, il faut coller la greffe. Il faut réduire l'espace entre les grains pour améliorer la conduction et il faut remplir les espaces avec de la fibrine. C'est ça le sticky bone, c'est-à-dire qu'on compacte les granules, on les colle. Et ensuite, comme on a utilisé du PRF liquide, le liquide s'est infiltré entre tous les granules. Voilà la toute dernière version du sticky bone que j'appellerais le 3.0, c'est-à-dire qu'il faut très peu de temps pour préparer ce sticky bone. Aujourd'hui, le SPRF coagule en 1 minute et demie. Et donc, on va compacter. On va compacter très fort pour réduire l'espace entre les grains. Et voilà comment on prépare une greffe qu'on appelle le sticky bone, mais qui est extrêmement dense et extrêmement solide. Vous voyez, regardez la rigidité du greffon que l'on est aujourd'hui capable de préparer avec le SPRF. Même pour l'orthopédie, en chirurgie vertébrale, pour les arthrodèses, voilà ce qu'on prépare comme sticky bone. Il me reste à conclure sur l'incidence du sticky bone sur la compétition cellulaire. Voilà une augmentation massive, verticale dans les deux maxillaires et horizontale sur le maxillaire antérieur. Nous avons utilisé évidemment le sticky bone extrêmement compacté. Un mélange de xénogreffe et d'allogreffe, avec juste une flie, c'est-à-dire une éponge de collagène pour couvrir. Et voilà la situation au bout de 4 mois et demi. Vous voyez, regardez la reconstruction, elle est parfaite. On va enlever les grilles et vous voyez, le maxillaire a été complètement reconstruit. Et on va faire des biopsies, une biopsie en verticale et une biopsie en horizontale. Et qu'est-ce qu'on voit? Voilà d'abord les implants posés. Vous voyez le maxillaire reconstruit avec les implants en place. Donc on a vraiment une très belle épaisseur du maxillaire. Et la première biopsie au niveau horizontal montre des taux absolument incroyables. 50%, 50% d'os nouveau à 4 mois et demi. Personne aujourd'hui dans le monde n'est capable de montrer des biopsies d'une telle qualité. Personne. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement la quantité, c'est ce chiffre. Le taux de tissu conjonctif est très inférieur à la quantité d'os nouveau.
Habituellement, c'est l'inverse. Il y a plus de conjonctifs que dans ce nouveau parce qu'on sait, on connaît la compétition entre le conjonctif et l'os. Dans la greffe verticale, là encore, les chiffres sont extraordinaires. 40% d'os nouveau, je répète, on n'a pas utilisé de membrane de collagène. Donc, la compétition, ce n'est pas la membrane de collagène. Et regardez le taux de conjonctif, 10%. Ça veut dire que on peut gagner la compétition sans avoir utilisé une membrane de collagène, mais tout simplement en réduisant l'espace entre les grains et en collant les grains. Voilà comment aujourd'hui on peut utiliser la biologie, la physiologie et l'immunologie associées à une réduction de l'espace entre les grains pour gagner cette compétition entre l'os et le tissu conjonctif. La conclusion, c'est que l'os n'a aucune raison de se résorber. Aucune. Il se résorbe seulement quand il est maltraité. Et vous avez compris pourquoi aujourd'hui, quand on a une paire d'os marginale ou une périimplantite, c'est que tout simplement, l'os était en stress oxydatif et cela vient soit de l'oxydation de l'os, soit de l'oxydation des tissus qui crée l'ischémie de l'os. Meilleur traitement, c'est la prévention. Ce n'est pas le traitement de la périimplantite qui m'intéresse, c'est de ne plus jamais voir de périimplantite. Alors pour ça, on a développé un concept qui est le OVER concept, qui est une approche vraiment physiologique de l'augmentation. Il faut préparer biologiquement ces patients, systématiquement, tester et contrôler, et traiter. Relâcher plus que de raison le lambeau. Je vous ai dit pourquoi il fallait avoir plus de relâchement. Il faut arrêter de comprimer l'os avec les lambeaux. Il faut immobiliser les lambeaux avec des sutures appropriées. Je vous ai montré le matelassier apical. Il faut arrêter de maltraiter l'os cortical ou l'os greffé avec les implants, car c'est une réelle maltraitance. Et je dirais seulement, après avoir respecté toutes ces conditions, vous avez vu, ces conditions ne sont que de conditions biologiques, seulement après avoir respecté ces conditions, vous pouvez vous faire aider par le PRF pour améliorer vos cicatrisations. Vous avez compris que mon message, c'est pas de PRF sans biologie, pas de PRF sans des chirurgies menées en respectant la physiologie. Mes chers amis, si vous êtes intéressés par un cours online, vous savez que c'est possible, ou alors un cours en présentiel. Je vous remercie pour votre attention.